Donc bonjour, je suis Raphaël Gauthier de l'association Au Goût du Jour. Au Goût du Jour, c'est une association d'éducation à l'alimentation. Et on est là ce week-end pendant la semaine européenne des déchets pour expliquer aux gens ce qu'on peut faire à la maison pour éviter de gaspiller. C'est-à-dire différentes astuces sur ranger son frigo, ranger son placard, réutiliser des restes ou sauver des fruits et des légumes qui sont soit moches ou sinon qui commencent à s'abîmer. Et ce qui fait que pendant ce week-end, on en profite aussi pour faire des ateliers avec les gens pour leur montrer différentes recettes qui permettent de sauver n'importe quel type de légumes, n'importe quel type de fruits et n'importe quel type de pain, sachant que c'est les trois choses qui sont le plus jetées dans les foyers français. Co-présidente de Sur un air de terre à Pau-l'Abbé. L'association Sur un air de terre, éducation à l'éco-citoyenneté, toutes sortes d'actions dans les écoles, les EHPAD. On va ouvrir très prochainement un café-librairie à Pont-l'Abbé. On a une grainothèque, donc il y a les gens qui sèment, qui sont autour des graines, et des graines évidemment bio et non transformées, etc. Pourquoi on est là? Parce que notre démarche, c'est vraiment dans le zéro déchet. D'un bout à l'autre de la chaîne, on est dans le zéro déchet. Oui, bonjour, Robert Cugnot de la CLCV Quimper. En fin de compte, c'est une des deux associations de consommateurs reconnues au niveau national. On représente les consommateurs usagers dans différentes commissions auprès des collectivités, de la collectivité locale, des élus. Bah, en fin de compte, on participe, dans le cadre de notre rubrique cadre de vie sur la réduction des déchets. C'est un des éléments importants sur, de notre association, le CV de notre logo, en fait, cadre de vie, environnement. Ce week-end, c'est la réduction de ces déchets dans notre environnement, en fin de compte. Et nous, pour notre association, on essaye de démontrer que le fait maison est plus écologique et aussi économique que les produits achetés dans les surfaces commerciales.